monde, c'est KitKat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F-Action Z pour un petit pillage. J'ai trouvé cette base là hier soir, genre le pire c'est que cette base là j'ai cherché pendant genre 10 minutes, j'ai trouvé. Bien sûr avec le box bloc de raid. Genre parce que normalement, ça c'est pas clair, j'avais fait FMAP, mais je crois qu'il y a une autre base proche. Je suis pas sûr. Mais bref, sinon c'est ça, j'ai trouvé cette base là avec les bugs du bloc de raid, j'étais arrivé, j'ai vu qu'il y avait des spawners à spider, il y en avait genre 6, non, en fait je peux même pas aller voir combien il y en avait. Sinon ben, les seuls coffres que j'ai ouverts c'est lui et lui, pour voir si la base est habitée, puis j'ai vu que oui. Puis en même temps avec la grosse farm que j'ai vu, ben j'imagine qu'elle était habitée. Je viens de faire mon kit, ça, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire, c'est mon kit XP que j'ai fait tantôt. Je viens de faire mon kit joueur pour récolter des trucs. Là, j'ai tout laissé mes outils à ma base. Ah oui, attends, moi garder l'appel parce qu'il y a un truc de Netherwart en haut. Enfin, on va faire comme l'autre pillage, je vais pas, je vais faire comme l'autre pillage, je vais pas déménager dans la vidéo, je vais tout déménager ça quand je serai solo. Fait que j'ai vu qu'il y a des coffres aussi là, fait qu'en premier, on va tout prendre, non, ben ça, tous les trucs chiants, genre prendre le champ, je vais faire ça à la fin. Comme ici, il y a un champ de Netherwart que je vais prendre à la fin, ben, il est tellement petit en fait que je vais le prendre de suite. En fait, Netherwart, ça fait un petit peu de money, fait que, puis en même temps, la Sulcène, ben, pas ça, ça se revend pas, mais je peux me faire un champ de Netherwart. Alors, let's go. C'est déjà fini. Attends, on va dire qu'aller voir les spawners, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3. Au moins qu'il y en a un autre là. Non, il y en a 3. Que je vais dire qu'aller chercher une TNT puis poser ça. Je dirais que j'aurais que aller chercher une petite TNT, mais faire que la... ben, 2 TNT même au cas où que ça peut être. Ouais c'est ça en fait. Il me faudra 2 TNT. Je suis pas du tout organisé pour ce piège-là. En fait, le serveur vient de crash. Ben, pas de crash. En fait, depuis hier soir environ, ben, les heures QC, je parle. Depuis hier soir environ minuit jusqu'à aujourd'hui, il est quelle heure là? À 5h30 peut-être l'après-midi QC, le serveur était down. Puis là, il vient de rouvrir. Ben, personne n'a aucune idée pourquoi il était down. Personne sait rien. Fait que... on sait pas. Ben, il y a eu des problèmes avec l'hébergeur. Pas l'hébergeur, je m'en rappelle plus avec quoi, mais j'ai un peu quelqu'un qui m'a dit qu'il y a eu des problèmes avec... je crois que c'était avec l'hébergeur, ouais. Ils ont eu des problèmes, fait que c'est ça, je leur... Ils m'ont dit qu'ils allaient rouvrir le serveur demain, puis là, je suis parti faire des trucs à elle, je me recours, je vois que non, en fait, il est ouvert aujourd'hui, fait que c'est cool. Comme ça, je pourrais farmer ce soir, puis continuer à chercher des pièges. Parce qu'en fait, vu que c'est pas... vu que sérieusement, F-Action Z, ça marche vraiment sur ma chaîne, genre... genre j'ai l'air un petit peu cave en disant ça parce que j'ai seulement 27 abonnés juste avant la vidéo et j'en avais 27. Mais genre avant je faisais des vidéos, ok c'était de la moins bonne qualité, mais avant je faisais des vidéos puis j'avais genre en un mois je me gagnais peut-être un abonné, maintenant en 3 jours je m'en suis gagné 2. Genre pour plusieurs personnes c'est rien, mais pour moi c'est énorme là, genre tous ceux qui ont commencé en fait dès que tu gagnes genre 2 abonnés en même journée t'es comme wow, c'est OP là. Puis même les grands... en fait, pour moi, 2 abonnés, c'est comme un grand youtubeur, genre 1000. C'est beaucoup, là. Fait que... c'est ça. Je vais tout prendre des trucs. Attends, je vais checker. Il y a combien d'enclumes? Ouais, il y en avait juste 2, hein. Oh, fuck. What? Il y a de la lave? Il y a rien. Bon, on va commencer par ces coffres-là. Je vous dis, j'ai rien ouvert. Fait que j'ai aucune idée, il y a quoi. J'espère qu'il y a du P4. Ah, ah, du stuff diam. Yes, du P4-3. P4-4 même? Yes. Du pendiam, mais 5 tours je vais apprendre. Il y a une petite kit pitunette. Bon je vais même prendre les loot de Bob. Ah yes, ça c'était le fun. Non je vais laisser son. Je vais casser comme mais je vais laisser son stuff que je veux pas. Ok, des heals, je vais déménager ça. Ah mais c'est vrai, j'ai déménagé rien. Ouais ben pas grave, je vais tout. Je vais déménager ça après la vidéo. C'est ça, ici des potes. Ici j'ai vu des livres, ouais c'est ça, des livres en chambre, des bottles d'XP, des bottles d'XP j'en ai des milliards. Oh yes! Yes, un kit pitunet, j'ai pas vraiment choisi que c'était P4, fait que j'ai arrêté de parler. Ah, un kit icons, oui ça c'est bien. Mais ça, un P3, un P3-2, des T3 et tout, ouais ça c'est très bien. Ouais ici un kit farm, puis le kit je sais pas trop quoi. Puis un kit build, ok. Sinon ici y'a rien. On va commencer par les coffres genre là. Il y a de la terre. Ah, plein d'outils. T3 F2, ah yes, ça je pourrais faire une T5 F2.
T4-3, ben je viens combiner ça avec l'autre. T5, looting croix, ouais. Y a-tu des punch 2? Attends, y a-tu des arcs full repair? Son enchant. Avec mon pack, en fait, je vois pas très bien les enchants, je vais te voir. Je vais te réaliser plutôt. Je vais checker s'il y en a des des punch 2. Parce que c'est juste ça qui m'intéresse dans les arcs. Là. Ben, m'a quand même toutes les prendre. Ouais, m'a toutes les prendre. Au cas où je joue un jour, ça peut peut-être servir du power 4. Non, y a même pas des pioches. Ouais. Ah, j'avais même pas vu. Ah oui, ben ça, des underpearls. C'est toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ici, ah, il y a plein d'autres livres enchantes, du kit de forgeron. Genre, j'ai vu un sharpnet. Ah non, pas nécessairement tout du kit de forgeron. Plein de livres enchantes, ça c'est bien. Ah, quelques ingrédients à potes. Du bois. C'est ça, ça c'est les mobs. Un petit peu de subdiam. Ah, une F5. Ouais, 10 F5. Ah, yes! Kit icons. Du P3, P2, P4. P4, qui est le full P10. Yes! Ça c'est du bon stuff. Même si c'est du mal enchant, genre. Exemple celui-là, là, genre. Il y a eu 3, là, c'est fort. Là. Je sais pas combiner. Ouais, ici de la merde. Du bloc. D'autres stuff. Ah, kit Halloween. Tunette. Ouais, quelques bons stuff, ouais, un truc Niria. Je sais pas si ça avait combien de dégâts ça aussi, les épées en bois ou les épées en or, là, j'ai aucune... Ah ben ça, ça le voit, les épées en bois aussi. T'as 11,5, une T5 ça fait combien? 11,5 pour les épées en bois, puis une T5, on avait une là, me semble. Ok, ouais, c'est peut-être comme une T4 alors? 12, ben une T3, genre, ouais, c'est de la merde en fait. Ah, des minerais! Oh, il y a presque rien en bloc de... Ah ouais, il y a un autre diamant là, ouais, je suis quand même bien, moi tout revendre ça en fait, à part le diamant. Ah, ouais, quelques TNT, ben les TNT j'ai pris pour péter ses spawners en fait. Plus des œufs. Ça j'ai été checké. Je crois que ça va lag. Ouais, le serveur il lag. Fait que je vais sûrement se recombiner avec une autre séquence ou puis ça sera le métro de la vidéo. Sinon je ah ici. Pas de la canne à sucre, je vais directement revendre. Vous voyez mon nombre de money astronomique. Bon. Ah oh merde, je vais réaliser que je vais rien que vous je vais vous commencer à faire un boss tour quand le quand l'effort sera fini parce qu'en fait depuis le dernier boss tour c'est fait attends, c'est normal. Puis ben je vais vous faire un ouais, j'ai commencé à vous lancer boss tour pour faire les codes sécu fini la protège. Bon, on a fait notre protège mais on a refait faire les codes sécu surtout. J'en ferai un nouveau là comme ça ben ça. Bon, je viens de dire. Ah non, j'étais à ma sky. Ah ben m'a bloqué je retourne pour une autre séquence. C'est ça, qu'est-ce que je voulais montrer, qu'est-ce que je voulais dire, ouais c'est bon, on va continuer de checker les coffres, ouais ici j'avais checké, celle-là j'avais checké, non, et lui, ok, ouais, un petit peu de truc de farm, fait que, ben c'est ça, en fait j'ai fait le tour du pillage, re tout le monde, il y a un mec qui veut me faire un don, encore un abonné fidèle, ben c'est un ancien mec que je parlais avant sur Skype, puis là ben il arrête de factionner, ben je suis même pas sûr s'il arrête, mais il m'a dit j'ai un don pour toi sur Skype, fait qu'il m'a dit de me connecter pis toutes les 7 IQ, c'est parce qu'il y a eu un give-all. Déo marteau. On va voir qu'est-ce qu'il me donne. Ah, peut-être du P4. Yes, un kit de 10 000. Ouais, un full kit de 10 000. Ouais, ben c'est pas cool, un full P4-3, ça je m'en fous de l'épée de merde. 36 pommes d'or, un blaze spawner que je vais rajouter à mon OC. Aussi, on a 10 IG de plus, parce qu'il y a un give-all, ils en ont give 3, puis j'en ai acheté masse avec tout mon argent, je suis rendu que je suis pauvre maintenant. 50... What? 50 000? What? Attends, de 1 je sais que c'est pas énorme, mais bon tes vidéos sont cool. What? Mais attends, 50 000? Ce matin que j'avais 10 000 genre avant le give-all, mais ils ont pas give 40 000, ben non, ils ont give peut-être 5 000, mais 10 000 peut-être. What? Oh ben, je suis riche en fin de compte, ben riche, tout est relatif, mais what, ok, je croyais que j'étais beaucoup plus pauvre. Non, ben c'est sûr que je suis plus pauvre, il y a un mec qui m'a donné un don, c'est sûr, hein, sans que je m'en rende compte. Parce qu'en fait, j'avais checké mon stash money après le give-all, ben après avoir acheté tous les spawners, les Iron Golem spawner, puis j'avais peut-être 20 000. Parce qu'avec ma fac, ils m'ont donné un petit peu d'argent pour que je rembourse un petit peu toute la IG que j'ai acheté. Mais genre, j'avais à peu près 20 000. Fuck. Bon ben, aussi, je vais faire le opening de 7 IQ. En même temps, du petit don. Je viens de déposer ça. Ben, pas du petit, vraiment, un P4-3, c'est pas rien. Alors bon. Ah oui, maintenant, j'ai NI. Inventory Twix. Ok, c'est de la merde, un stack de psy. J'espère que je vais avoir des bons trucs. Kit PVP, ah oh, ben je vais aller direct le porter à ma sky. Attends.
Je sais pas si ma sky le... Non, ok, ma sky est désactivée, heureusement. C'est bon. En fait, des fois, j'ai tout le temps peur de montrer les coups de ma sky sans faire exprès. Bon, bon, ok, ça va la gueule, c'est bon, c'est juste moi. Ok, je trouve un coffre qui a de la place dedans pour poser les potes. Ah, oh, bah lui, il avait en masse de la place. Sache pack, sache C. On va ouvrir les 5 congrès avec qui. Let's go. J'espère dropper de l'argent. En fait, je crois que le meilleur qu'il y a là-dedans, c'est de l'argent, genre. 5 ou pas, ok, de la merde. Ah non, un IG, ou des spawners, Pig Zombie ou IG, c'est les meilleurs, ça, par contre. 5 pistons, encore de la merde. Le P, je crois, c'est les 32 pommes d'or. Ok, petite farm, ouais, c'est juste les outils sont intéressants. On va garder le reste, hein. Et ma dernière IG après celle-là. Kit PVP encore? Slash C. Non! Récupère pas! C'est mes potions. Bon ben comment faire pour lancer des potes sans qu'ils s'en rendent compte? J'en ai posé là. Non, en fait il va le voir. Ben, en fait je vais ouvrir ma dernière équipe pis c'est de la merde genre pour voir si je garde tout. Attends, dans mon slash C j'ai des trucs bons. En fait toi t'es bon, fait qu'attends je vais lancer des potes ici. Pour pouvoir puis moi speedrun la dernière qui. Oh IG. Easy IG. Easy. Bon ben plus un IG hein. What? Ah c'est le truc le plus OP vu que notre base en fait on a mass IG. Je vais faire aussi un base tour sûrement dans cet épisode là ou dans le prochain, je sais pas, quand la base sera finie. Fait que je reviens. Ben plus à une autre séquence. Heureux tout le monde, on se retrouve pour un petit PVP. Il y a un mec qui voulait un V1 XX, j'ai dit autre truc. J'ai TP devant la P mais je vais pas back à P, attends. Ah merde, si je me punch, je vais être en combat. Je vais dire attends, je vais back. Ben en fait je peux au spawn, fait que attends, je vais prendre au spawn là-bas. Comme ça il va pas dire genre ah, t'es devant les AP, je peux. Mais en bref, c'est ça, je vais un V1 là. Il est dans une fac avec un claim, fait que je pense pas qu'il y a un AP, mais il y a peut-être un truc derrière les AP pour trap là, fait qu'on va voir. On va voir. J'ai un cahier dans Warzone, comme ça quand il va se TP. Fais pas du coup de pute, s'il te plaît, laisse temps de TP. Il m'a dit genre TP-moi pas dans Warzone puis commence pas à le taper tout de suite, mais en fait je suis dans le spawn, fait que... Ça je suis TP, yes. Il m'a dit qu'il était P4, moi je suis full P4-T4, T5-F2-3, comme d'hab une K2 au cas où. Bum cheat, ça... Bonne K4, truc... Youf... Allez j'entends marcher. Je vais mettre mon son max, c'est déjà fait. Ah c'est bon. What, une pomme cheat, dis-moi pas qu'il va pp pomme cheat. C'est m'écrit go, on y va. Ouais, je m'en fous pas si je pp avec une pomme cheat. Il va chercher Popo. Ok. Bon, en attendant, je viens vous parler vite fait de... Oh non, ça. En fait, j'ai pas grand chose à vous parler. Bien que je vais aller vous montrer... dis quand tu reçois... Ça sur ma paix. Je sais pas si je vous ai déjà montré la paix. Mais je vais vous la montrer vite fait. Comment on a fait un truc. On a fait un truc pour back. Sinon la paix, on sait pas si les portes sont usbugables. En fait, je sais que ces portes sont usbugables et les portions aussi. Fait que ça doit être usbugable, mais ça dans la paix. Ah ben il revient direct, ça je back, ça je TPS. Oh ben j'ai même pas eu le temps de vous montrer la paix. Mais en fait, je veux pas trop faire des coupures avec l'action. En fait, je suis juste capable d'arrêter le record carrément. Mais genre, je suis pas capable de le mettre en pause. Ah, il boit ses potes. Ouais, il va bouffer sa pomme cheese. Ben. Jusqu'on... Bon, là, ça va jouer encore à celui qui break en premier avec sa pomme cheese.
Je voulais dire, je veux le poison, ça sert à rien, je vais attendre qu'il commence à se balancer des heals et tout. Ou bien je vais back, je vais faire semblant que genre, je veux manger pomme d'or. Attends, je vais attendre que j'ai carrément plus de cœur d'absorption. Il a pas l'air si fort. Je crois qu'il tourne en plus. Non, il a pas l'air. Je vais faire semblant de back pour manger une pomme d'or. Ah, il s'est lancé une heal. Il a déjà plus de régène. Il doit fuck. Par contre, les KB ils sont dégueulasses. Fait que j'ai une d'avance, c'est mieux. Ok, je croyais que le coffre venait de spawn comme quoi. Mais non, j'ai rêvé. Oh, bon, on va le tuer vite fait lui parce que je le combo. Puis il... Ah oui, il y a Torn. J'espère qu'il y a genre Torn sur Plastron en enchantant niveau 30, comme ça il va break en premier Plastron. Comme ça, il est mort en 8 secondes. Ou sur ce FF. Ah merde, je saute. Attends, je vais me punch 2. Un autre coffre à gauche. Deux coffres même. J'allais voir vite fait. Les serveurs étaient down pendant un moment, peut-être les coffres vont continuer de spawner. Oh, ok, je suis juste... Non, tape-moi pas. Une poison. Attends. Je vais faire seulement de back, puis manger une pomme d'or, puis je vais le poison. Prochaine fois qu'il me combo, ben j'ai besoin d'en manger une. Au moins il joue fair play lui, genre à moins qu'il est tellement mauvais qu'il a de la misère à venir me taper. Mais genre il a l'air de jouer fair play. Bon, là il aurait jamais dû faire ça avec moi parce que j'étais une bloc, fait qu'il est mort, il a même plus de speed. Je crois qu'il a pas de pot à boire, attends je vais voir s'il boit une pot. Non, il a pas l'air. Bon ben, désolé, je donne pas ma speed, je suis pas autant fair play là. Bon ben, sorry hein. Ouais, j'imagine qu'il va crever, il se lance plus de heal. Même pas me punch, ça sert à rien. Bon bah il est mort hein, j'imagine. Je viens quatcher le stuff que j'ai récupéré. En fait, c'est ça que je trouve pas chiant, mais genre que je trouve drôle sur Infection Dead. Ah, il y a déjà... What? Il y a break casque. Easy. Hey, il était P4. Oh, ouais, juste P4 non hanche. Ah non, ok, il y a eu 3. Ça, mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que sur Infection Dead, c'est ça que je trouve pas ça chiant, mais genre, moi, en fait, je dépense pas de potes, je suis pas fanny des pommes d'or. T5F2 très bien, P4 normal, P4-3 le truc épine, là. Puis P4-5, je vais l'MP. Merde, je peux pas. Bon ben, je vous retrouve pour une autre séquence encore une fois. Heureux tout le monde, on se retrouve à la fin de la vidéo parce qu'en fait sur les séquences j'avais oublié de vous dire un petit bye bye. Fait que c'est ça. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une grosse vidéo sur Infection Jet, du PP, du don puis un pillage. Comme d'habitude, les trois choses qui permettent de faire une bonne vidéo. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous en voulez d'autres sur Infection Jet, vous pouvez liker ou commenter pour me le dire. Si vous avez aimé la vidéo puis vous voulez en voir d'autres de moi, vous pouvez vous abonner ou aller sur ma chaîne puis en voir d'autres. Alors je vous dis ciao.